J'ai un bon salaire, une jolie monture, un logement décent. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous ne devez pas couper la route comme ça. Vous n'êtes pas un enfant. Vous devez quand même faire attention aux piétons. Faire attention aux piétons? Vous voyez ce que vous avez fait? Vous dormez presque sur la route? Je ne dors pas. Vous roulez trop vite. C'est à savoir si vous avez le permis. Quoi? Vous voulez un constat? Maman, j'ai faim. On fait comment? C'est bon, madame. Bonne arrivée, chérie. Et ta journée, ça a été? Ouais. La table est prête. Je n'ai pas l'appétit. Et pourtant, c'est ton plat préféré. Du ragoût de pommes de terre et de la soupe de jarry avec un peu de jus d'ananas, s'il te plaît. Je ne suis pas en forme. Chérie, tu dis tu es malade et tu joues à la guitare?
Bébé, viens dans mes bras. Je sais que c'est la mission qui te met dans cet état. Moi aussi, quand j'ai un voyage, je suis stressée. Mais Kumba, d'habitude tu n'as pas cette voix. Tu es sûre que ça va? Oui, ça va. Mais arrête! Je te connais là. En vérité, ces derniers temps j'ai des vertiges, des nausées. Et je suis toujours fatiguée. Quoi? Tu as des nausées et des vertiges? Oui, mon chéri. Wow. Mais ne tire pas rapidement une conclusion. Viens, je veux te voir. Tu es où? Je viens. Tu n'as même pas pris ta douche. J'ai des comptes à te rendre. Je ne veux pas la bagarre avec toi. Tiendré, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu poses trop de questions. Tu ne sortiras pas, Tiendré. C'est aujourd'hui que tu me fais ça. Tu as promis à mes parents de me rendre heureuse. Et moi, est-ce que tu me rends heureux? Je ne mérite pas le bonheur? Tu oses me dire ça? Tu penses que tu n'es pas heureux? Que vaut la vie d'un couple sans enfant? Imagine-toi, si je pars mourir en mission. Hein? Est-ce que c'est de ma faute si nous n'avons pas d'enfant, Tiendré? C'est bel et bien ta faute. Ce qui est sûr, je ne suis pas impuissant et tu le sais bien. Oui, mais ça ne suffit pas pour faire un enfant. Ok. Tu verras d'ici peu les résultats des tests qu'on a fait avec le docteur Nikim. Et... Allô?
Anisha, c'est chaud ici. Tiendré menace de me mettre à la porte. Quoi? Te mettre à la porte? Comment? Tu plaisantes ou bien? Je suis au sérieux. Il dit que je suis stérile. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut laisser une mouche te piquer. Il t'aime tellement. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, je suis sûre que cela va passer. C'est simplement un coup de tête. C'est plus grave que tu ne le penses. Il menace de me répudier. Mais je ne me laisserai pas faire. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Calme-toi, ma copine. Je te comprends. Calme-toi. Garde ton sang-froid pour ne pas poser un acte de regretter après. Non, 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 non. Je ne peux pas me calmer. Avec tous ces sacrifices que j'ai faits pour Tiendré. Hein? Allô? Allô? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je constate que tu es devenu bizarre. C'est ce problème d'enfant qui... Non, je ne suis plus à ça. Chez moi, c'est réglé. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Oui. Je vais te dire la vérité. Il y a une fille du nom de Kumba qui porte ma grossesse. Une fille qui porte ta grossesse? Comment ça? C'est pourtant vrai. Bientôt, elle va nous rejoindre. Tu ne peux pas me faire ça, Tiendré. Ingrate, là. Si tu es toujours ici, c'est parce que j'ai pitié de toi. Quelle est ton utilité pour moi? Hein? Écoute, si mon bonheur ne te plaît pas, rentre chez tes parents. Je me demande quel diable de mouche m'a piqué pour que je perde tout ce temps avec toi.
Mon Dieu. Tiendré, qu'est-ce qui se passe? Tiendré, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiendré. Oh. Chérie, tu te sens mieux maintenant? Est-ce que ça va mieux? Sorcière, là. Qui t'a amené ici? Je t'ai dit que je ne veux plus te voir. Chère fille, Kendri. Comment ça va votre santé après les premiers soins? Très bien, mon colonel. Mais je me sens toujours faible. Je sais que ça va aller et vous irez tranquillement à votre mission. Merci, mon colonel. En fait, je me rappelle que j'ai bu un jus frais. Non, le jus n'a pas de rapport avec votre crise. C'est simplement un fait de stress. Passez me voir après dans mon bureau. Madame? Oui. En attendant, venez avec moi. D'accord. Hé, hey, docteur, vous me faites peur. Non, ne vous alarmez pas. Tenez, allez m'acheter ce produit. Tu sais, j'ai trop de problèmes. Mon bailleur veut me mettre à la porte si je ne paye pas les arriérés. Et ma pauvre mère, elle est gravement malade. Kumba, tu exagères. Tu penses que je n'ai pas de problème, moi? Tous les jours, tu inventes une histoire. C'est quoi? Hey, laisse ça, hein. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Si toi-même, tu veux me donner, là, j'allais prendre. Tu es vraiment un pauvre type. C'est un chef Tiendré. Ne baissez pas les bras. Restez militaire. Allô? Oui, Brian. C'est mon fils. Ah, moi, j'en ai encore pour une heure. Hein. Appelle donc ta maman. Oui, allô? Tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est comme ça qu'on entretient une grossesse? Allô? Allô?
tiendrai. Non. Pas ça, tiendrai. Je préfère la mort que la honte. Non. Pourquoi? C'est moi qui suis stérile. Quoi?